Je me suis rappelé que le foot est un jeu génial. Vous vous souvenez quand on jouait sur notre île? Comme on s'amusait? Allons-y! On va offrir aux spectateurs le match de leur vie avec notre super adversaire Mark Evans. C'est le début de la deuxième mi-temps et les deux équipes sont plus motivées que jamais. Raymond fait l'impossible pour marquer malgré le gardien invincible de leur adversaire. Vite, fais la passe! À toi! Tornade de feu! Exactement ce que j'attendais! Oh, Donati! C'est le seul moyen d'arriver à marquer! Tornade de feu! Correction de la trajectoire! Allez! Magie! Evans est un génie! Il a encore réussi un arrêt parfait! Pas cette fois. Le tir était trop puissant. Il n'a pas réussi à arrêter complètement le ballon. Bravo! C'était un beau tir. Mais je ne vous laisserai pas faire une deuxième fois. Mark est stimulé par le talent de ses adversaires. Vous avez parfaitement raison, coach. Tu vas voir. Nous allons sans doute découvrir un Mark complètement différent maintenant. Ils doivent profiter du moment de faiblesse de leurs adversaires. Ce sera peut-être leur seule opportunité. Je peux avoir une glace? Pour moi aussi, s'il vous plaît. Trois glaces, c'est possible? Oui, voilà, voilà. Vous pourriez peut-être travailler un petit peu aussi, non? Hein? Quoi? Vous avez mangé toute la marchandise? C'est impossible! On n'arrivera jamais à marquer un but avec un gardien pareil! Ouais. C'est comme s'il y avait une montagne devant les filets. Il y a un moyen. Ne tirez pas droit sur lui. Sa super technique main magique est infranchissable. On est tous d'accord là-dessus. Par contre, je crois qu'on a une chance à condition de tirer dans les côtés de ses filets. J'y avais pas pensé. Moi, je me disais la même chose. Le truc, c'est qu'on a réussi à le surprendre une fois tout à l'heure. Mais maintenant, il est prêt. Il ne va plus se laisser faire. Justement, Evans ne s'attend pas à ce qu'on change de tactique pour tirer dans les angles. Et ça, il suffirait de modifier un peu nos stratégies d'attaque pour y arriver. D'accord, Wright? Oui. Toi, tu as déjà un plan en tête, non? Exact. À nous trois, on va envoyer le ballon dans les filets d'Evans. Vise le sommet, et si tu regardes toujours vers le haut, tu n'as qu'à suivre pas à pas la route qui t'y conduira. Dans la vie, un jour ou l'autre, il pourra t'arriver d'avoir à relever des défis. Alors tu ressentiras peut-être venir en toi la peur de faire un choix. Mais le destin ne t'attend pas. Le destin a déjà choisi. Abandonner ne sera pas une option, tu le feras. Ça ira! Si tu dois avoir peur, ce n'est pas de l'erreur. N'aie pas peur d'y arriver, n'aie peur d'abandonner. Ton équipe est avec toi, elle a confiance en toi. Et vous irez de l'avant, c'est ensemble que vous serez plus grand. Vous y arriverez si vous visez le sommet et vous n'aurez pas perdu votre temps. Vise le sommet et si tu regardes toujours vers le haut, tu n'as qu'à suivre pas à pas la route qui t'y conduira. Cours, oui, vas-y, cours. Cours encore, oui, encore et encore. Cours encore, ta-la-la, ta-la-la. Vas-y, cours encore. Cours avec ton équipe vers le sommet. Vaincre une légende! Hardy! C'est parti! À nous trois, on va envoyer le ballon dans les filets d'Evans. À nous trois? Et on fait comment? Je vais changer de position et me placer entre Hardy et Donati. D'abord, Hardy lancera sa tornade de feu droit vers le but. Là, Evans utilisera forcément sa main magique. Attends un peu, tu veux utiliser ma tornade de feu comme appât? Non, ce n'est pas un appât. Ta tornade de feu est tellement puissante que Evans sera obligé d'utiliser toute son énergie pour l'arrêter. Ouais. Tornade de feu! Encore un tir droit sur moi. Tant mieux. J'ai de quoi bloquer la tornade de feu.
envoyer la tornade de feu sur le côté. Et ensuite, c'est Donati qui se chargera de tirer au but. Moi, tu crois? Tu es le seul à pouvoir le faire, Donati. Tu es capable de renvoyer n'importe quel tir rapide. Tu as un instinct qui ne te trompe jamais. J'ai un instinct. Oui, tu as raison, je sens où va arriver la balle. Attendez un peu, je vais vous montrer mon instinct de buteur. Allez, Donati. Ça ressemble un peu à une super technique, non? Qu'est-ce ça, Evans? Ma super technique, limonade. Super technique tête inversée, Donati. Ça va marcher. On le pousse à utiliser main magique. On redirige le tir de côté. Et on atteint son point faible, les angles. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que c'est génial, les mecs. Vous êtes en route pour la victoire. Je reconnais enfin le collège Raymond. Mark Evans, il est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant deux mains magiques de Mark Evans sur le terrain. Une fois de plus, il défend ses filets à la perfection. À moins que... Non, c'est déjà mieux, mais on est encore loin de la perfection. Ils ne marqueront pas. Allez, Mason. La citadelle du gardien invincible, Mark Evans, est enfin tombée grâce au formidable travail d'équipe de Raymond Eleven. Bravo, Donati. Tête inversée est une super technique exceptionnelle. Et je te signale que tout ça, c'est grâce à mon instinct. Ça ressemble plutôt à un coup de chance. Tout ce qui compte, c'est qu'on est à égalité. Plus qu'à marquer un deuxième but et on aura remporté le match. Ouais. Mason. Ça va aller. T'en fais pas, Mason. On va te soigner. Je suis vraiment désolé, capitaine. J'aurais pas dû essayer d'arrêter ce tir. C'est moi qui devrais te faire des excuses. Et en l'honneur de ce que tu viens de faire pour l'équipe, je promets de ne plus laisser passer un seul but jusqu'à la fin du match. Mark Evans, ce jeune homme n'abandonne jamais. C'est un vrai problème pour Raymond. Peu importe la force de son adversaire, il s'en servira toujours pour s'améliorer et déployer plus d'énergie encore. Je te le dis, petit, un jour ce garçon étonnera le monde. Le collège Lambda ne change rien à la composition de son équipe. Mais avec un score à égalité et un joueur de moins, leur situation devient délicate. Comment vont-ils gérer ça? Alors, comment tu te sens? C'est trop serré? Je dois me relever. Il faut que j'y retombe tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? Il est hors de question que tu reprennes le match dans cet état. Mais coach, vous savez bien que l'équipe n'a pas de remplaçant. Ils vont devoir jouer à 10 jusqu'à la fin du match. Je veux que tu te calmes et que tu fasses confiance à Mark et à ton équipe. D'accord. Courage, Mark. Et vous tous. Inazuma Eleven. On va continuer à faire le maximum. Ils ont l'air encore plus déterminés maintenant qu'ils sont réduits à 10. Il faut qu'on reste concentrés. Capitaine! Allez-y, c'est le moment! Tornade de feu! Donati! C'est inversé! Pas question! Pas une deuxième fois! Il a réussi à l'arrêter. Raymond a lancé la même attaque, mais cette fois, Mark Evans a réussi à les empêcher de marquer. Le gardien invincible est de retour. Bravo, Evans. C'est génial, tu as perfectionné ta technique. Eh oui, je vous présente ma nouvelle technique spéciale, méga main magique. Je pensais que je le connaissais bien. Mais ce n'est que maintenant que nous ne sommes plus dans la même équipe que je réalise à quel point Mark Evans est un joueur insaisissable. Oui, tu as raison. C'est quelqu'un de très rassurant à avoir dans son équipe. Mais c'est un adversaire aussi redoutable qu'imprévisible.
C'est pas vrai! Evans a déjà réussi à arrêter ma tête inversée! Il a réussi à perfectionner sa propre technique spéciale en quelques minutes! Evans est vraiment stupéfiant. On croyait avoir trouvé son point faible, mais il a réagi avec une nouvelle parade. On n'a plus qu'à trouver une autre tactique. C'est un défi qu'on peut relever. On fera tout ce qu'il faut pour ça. Ouais! Aucun ballon n'entrera dans mes filets! Et je compte sur vous pour attaquer à fond! Ouais! Ah oui! Ah, toi aussi, tu te fais du souci? Il ne reste que 5 minutes de jeu. Courage, Lambda Eleven. Le collège Lambda fonce et met toute son énergie dans ses attaques, même s'ils sont réduits à 10. Comme leur capitaine, Mark Evans, ils n'ont pas l'intention d'abandonner en cours de route. Allez, courage! On ne peut pas renoncer. Je veux gagner. On a travaillé tellement dur pour arriver jusqu'ici. Et on n'est pas loin de devenir des champions nationaux. Changement de joueur! Hein? Un changement de joueur? C'est qui, ça? Te voilà, Tanner! C'est génial! Où étais-tu passé? Evans, tu connais cette fille? Bien sûr que je la connais. C'est la 12e joueuse de notre équipe. Oui! Oh, ça te dirait de faire partie de notre équipe? Mark Evans! Oui! Je veux jouer au football avec Mark et ses amis. Génial! Bienvenue parmi nous! C'est sérieux et elle est inscrite en tant que joueuse? Mais bien sûr qu'elle est inscrite. C'est exact. Kia Tanner, c'est ça? Je suis trop contente de jouer au football avec vous tous. On va en profiter pour contre-attaquer. Ok. Et à sa cheville, c'est un bracelet d'amitié? Ah, le collège Lambda va faire entrer un nouveau joueur. Kia Tanner, dont ce sera le premier match. Quelle surprise nous réserve cette joueuse inattendue! Tanner! Elle est rapide! Elle dribble à une vitesse stupéfiante! Tu ne passeras pas! Quoi? Elle a disparu, elle connaît aussi les techniques des ninjas ou quoi? Comme ça qu'il nous a encouragés la toute première fois qu'on l'a rencontré. Oui, je me souviens. Et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Alors maintenant, c'est nous qui allons emmener notre capitaine en finale. Oui! On attaque! Miller! Je vais l'arrêter, moi! Oh non, Billy Miller! Pas question que je me laisse faire par un autre libéro! Là, c'est le moment ou jamais! Tu passeras pas! Excellent! Compte sur nous, on va leur mettre un but! Là, tout de suite! Sors du dragon! Je sais que je peux l'arrêter! J'avoue que j'ai eu peur. Fisher, par ici! Hein? Allez, les garçons, à vous jouer! On doit essayer cette technique! T'es sérieux?
Sérieux? Elle est pas trop au point, je te rappelle. Cette fois, on peut réussir. T'es avec nous, Hardy? Pour moi, c'est d'accord. Ok. Ils attaquent. Je l'arrêterai. Elle gagnera le match pour arriver en finale. Je défendrai mes filets, coûte que coûte. C'est normal. Vas-y, courez là, c'est toi maintenant, toi. Tu m'as tenu, c'est pas faire pour toi. Vas-y, allez. C'est toi maintenant, toi. Aucun ballon ne passera. C'est la fin du match. Un match exceptionnel à tout point de vue. Raymond a une fois de plus prouvé sa valeur en l'emportant sur le collège lambda, mené par son gardien et capitaine légendaire, Mark Evans. Ce sont donc les Raymond Eleven que nous retrouverons en finale. Les amis, hein? Vous avez aimé participer à ce match? Oui. Oui. Hein? Je suis déçu qu'on ait perdu. Mais l'équipe du collège lambda est encore jeune. Nous avons encore plein de choses à apprendre. Alors continuons à faire le maximum. Au départ, c'est grâce à Miller qu'on a commencé à jouer au foot. C'est lui qui nous a rassemblés. Mais c'est grâce à toi qu'on est allé si loin. Merci, Evans. Vous êtes une équipe formidable. Ouais! Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je t'en ferai un autre. Sonny Wright, je compte sur toi pour faire grandir l'équipe de Raymond. Promis. C'était un super match et j'ai hâte de te retrouver sur un terrain pour prendre ma revanche. Oui, même chose pour moi. Merci, Evans. Hey, Raymond. J'espère que le football nous réunira encore. C'est sûr. Bravo à tous. On est en finale. Félicitations, mes jeunes champions. C'est vous, coach? Vous avez assisté au match? Bien sûr, et je suis ravi de voir combien vous avez grandi. J'étais sûr que vous étiez capable de gagner sans moi. Excusez-moi, coach, mais c'est normal, ce déguisement? Ah oui, je fais un ours très mignon, vous ne trouvez pas? Et la glace! Candice, j'ai envie de recommencer à jouer au football. C'est bizarre, non? J'ai fini par comprendre que je ne jouais pas pour toi. C'est pour moi que je jouais au foot depuis le début. Voilà, cette fois nous y sommes. Juste une fois, une dernière fois, et tout sera fini. Oui, une toute dernière fois. Le stratège du ballon rond est à Raymond? Mais quelle tactique Is a imaginée juste avant la finale? Dans le prochain épisode d'Inazuma Eleven Ares, quand Moore déclare la guerre!
le proverbe du jour d'Inazuma Eleven. Hé, Raymond, j'espère que le football nous réunira encore. C'est tout.